Et salut à tous les amis, c'est Lightos et je suis avec Aldaril. Salut. Et aujourd'hui, nous sommes sur l'épisode de Fallen Kingdom. Et moi, je vais continuer mon moulin. Ouais. Oh yeah. Oh yeah. Donc aujourd'hui, on va aménager tout ça. Et ce soir, du creep. Et ce soir, du creeper parce qu'il va nous en falloir. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Oui, alors on va faire des sources d'eau, on va faire un petit lac. Alors sinon j'avais pensé à faire un méga piège Ah, vas-y, parle-leur de de. salle au trésor. En fait, ce serait une fausse salle au trésor où en fait tu aurais que des trappes au sol et avec juste deux boutons et un grand trou en dessous pour que s'ils tombent, ils meurent direct. Peu importe le stuff qu'ils ont. Parce que je sais pas si ça compte ou pas le stuff dans les chutes. Et donc le truc c'est que ils vont penser que c'est notre salle au trésor. Ils vont voir qu'il y a un piège et ils vont se dire pour pas activer le piège, faut qu'on appuie vraiment en même temps sur les deux boutons. Et peu importe s'ils appuient en même temps ou l'un après l'autre sur les boutons, de toute façon ils tomberont Quoi qu'il dans arrive, les tout le monde. trappes. Ça pourrait être assez marrant et en même temps faire un escalier qui descend jusqu'en bas pour récupérer leur stuff. Ce serait vraiment pas mal. Si on peut récupérer le stuff, ça peut être intéressant. Donc on va laisser ça comme ça, on va tout reboucher là parce que on n'en a plus besoin. Ce serait pas mal de faire un moulin fortifié en fait. C'est-à-dire qu'on puisse accéder au toit pour les observer. Ouais. Je suis en train de me dire ça vu que là j'en suis au dernier étage et qu'il est assez haut quand même. Moi je vais aller dans la salle des coffres, je vais sortir récupérer des fleurs et tout ça pour finir le jardin. Des fleurs, il me faudrait aussi des. Est-ce qu'on a des os? Ou est-ce qu'on a tout utilisé? Oui, on en a, c'est bon. Alors, je vais prendre ça avec moi. Non, je vais me faire une pioche en. Bon, l'étage, le dernier étage, il serait En cobble. un peu plus étroit à mon avis. Pas utilisé pour pas monter trop en fait. Je vais le faire que de deux hauteur dans l'étage ou trois. Hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Comme ça, on va pouvoir sortir. On va chercher des fleurs. On va prendre à manger aussi. Ah, mais le blé est prêt donc. Si tu pouvais me rapporter du bois aussi. Ouais. Parce que j'ai plus qu'une vingtaine de bûches et Par contre, il me deux. faudrait une hache. J'en ai plus une de ça. Ah, Elle a dû péter entre les doigts. Oui, elle m'a pété entre les doigts à la fin. on sait pas. On va replanter le blé qu'on a pris, voilà. On va faire du pain. Bang. Du pain. Voilà. On va redescendre dans la salle des coffres. Putain, j'ai vu qu'il y avait des pumpkins pas très loin. Ouais. Alors des fleurs, Ça peut être pas on mal si on va chasser le creeper, ne pas choper les Endermen. en a. Alors ça, on en a pas besoin, ça non plus. Ça non plus, ça non plus. Je surveille les ruines là et je vois personne pour l'instant. Si tu sors dehors, tu pourrais faire un petit peu de veille technologique aussi, ce serait pas mal. J'ai regardé au niveau des lingots, on en a, de lingots de fer, on en a 60, donc on va pouvoir se faire du stuff, genre. C'est bon ça. Pour se faire du stuff. Alors je vais faire. Voilà. Alors maintenant on y va. Théoriquement on a tout qui. Hop. Allez, maintenant on y va. Alors, on va sortir par là. En espérant qu'il n'y ait pas de monstre derrière encore. Ouais, fais gaffe.
regarde autour, la personne. Alors, on va récupérer du bois, à manger, des fleurs, enfin voilà. Je pense que l'idéal serait un stack de bûches, mais bon, si tu peux pas prendre assez, j'irai en chercher. Tu veux des bûches-bûches ou même du boulot? Ouais, un peu des deux. Tu vas me faire quelques bûches et pas mal de sticks et de planches. Parce que Alderi, il n'aime pas le boulot. Eh non, je suis un peu un glandeur. Bref, c'était pourri. Il fallait bien faire une petite vanne comme ça là. Ouais. Pour détendre un peu, c'est là. Ils nous mettent la pression, ils nous disent à chaque fois qu'ils vont nous poutrer et tout. Ouais. On commence à réfléchir à qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place, bon. Donc on continue. Voilà. Alors des fleurs, on va prendre des fleurs aussi. Parce que pour finir le jardin. Ça va, tranquille quoi, le gars pendant Fallen Kingdom il va chercher des fleurs. Ben ouais. Hop. Les moutons, on en a pas besoin. Ah oui, j'ai trouvé des pumpkins. Ouais, prends-en deux. Ouais. On aura bien l'air malin avec deux pumpkins. Moi je dis, on les attaque comme ça. Avec la pumpkin sur la tête. Hop. Hop, on prend les pumpkins. Zut. Deux. Je suis en train de réaliser que je peux pas accéder à la salle des coffres. T'as pas de binette? Eh non, je vais me faire une. Ah, parce que la binette c'est un peu la clé pour entrer dans la salle des coffres. Hein. Donc là ce serait d'y aller avec une binette en diamant. Ouais mais alors après t'as la classe ou tu l'as pas. Yes. Oh yeah. Bon, c'est trop la classe. C'est arrivé dans la salle des coffres. Par contre, on se fait un peu mal. Ouais, mais ça, c'est. Alors, je dirais que moi, c'est du poulet. Ouh. Attends, je regarde. J'ai fait une petite veille technologique là. Ils en sont où alors? Ils ont fait un mur d'eau. Ouais. Ouais. Alors, attends, on va essayer de se rapprocher sans qu'ils nous voient. Ça serait cool. C'est-à-dire qu'ils ont une épaisseur de cobble, haut, cobble? Non, ils ont fait mieux. C'est qu'en gros, cobble, 1, 2, 3, ça monte de 3. Ouais. Ils ont fait un renfoncement de 1, ils ont mis l'eau, donc l'eau tombe même par terre. Attends. Et ils ont fait un niveau de plus. Enfin, il faut que tu voyes, c'est très. Ah. Ils t'ont vu? Ouais, Jerry a du stuff en fer. Ouais, il devait en avoir marre de mourir à chaque fois. Je vais courir, on sait jamais s'il m'attaque. Tu veux que j'ouvre la porte? Non, c'est bon. Non, il me suit plus. Je vais prendre une pioche justement, je vais sortir et je vais aller voir ça. Ah ouais, faut que tu voyes ça, c'est intéressant. Attends, je vais trouver une poule. Une poule sur un mur. Voilà. Ouais, je suis un passage. Ouais, je vois, vas-y, je. Voilà, nickel. Vas-y, passe. Merci. Bah, tu vas voir, c'est. L'idée est pas bête, mais je pense qu'on va vite la contourner. Vas-y, tu peux monter en haut de mon moulin pour dire s'ils sont dans le coin ou pas. Alors, attends, t'as fait une échelle, non, moi Non, mais t'as des escaliers normalement. Alors, peut-être pas dû prendre tout ce stuff. Ils y sont pas, ils ont pas l'air d'y être. Si, j'en ai vu un là.
Si, ils sont tous les deux dehors. Sérieux? Près, entre l'église et la petite tour là qui est toute détruite. Un peu plus loin vers chez eux. Alors attends, je vais descendre, je vais mettre tout ce que j'ai récupéré. Tu vas aller les poutrer? Non, on va pas aller les poutrer, mais au moins mettre un lieu sûr ce que j'ai récupéré. Hop, au moins tout le bois, je vais le mettre en bas. À mon avis, ils étaient en train de voir qu'on vienne pas étudier leur muraille, justement. Et il fait nuit. Donc logiquement, il faudrait qu'on aille chasser du creeper. Ouais, j'ai le bois en bas. Bon, on a du stuff, faudrait qu'on se fasse du stuff en fer. Ouais, je dirais que t'as mis des poules à cuire, c'est dommage, j'ai plus de bouffe. Je rapporte les poulets. Vas-y, Il me moi semble que je t'as du le fer, il est cuit ou pas. vais faire. Ouais, je l'ai fait cuire. Alors, on va faire du stuff en fer. T'as pris de la bouffe ou pas? Ouais, j'en ai un peu, mais pas beaucoup. Moi, je vais garder les poulets avec moi. T'as besoin de quoi? Pour l'instant, pas grand chose. Hein. Je prends mon épée en diamant. Attends, je te fais le stuff. Je repose le tout le sable, la sandstone, le bois, la pierre. Et les pantalons, je sais plus comment on fait un pantalon, ça va être comme ça. Voilà. Pose ta binette aussi, pas que ce soit flag. Voilà, j'ai tout le stuff. En deux fois? Ouais. Mais de toute façon, on n'a pas besoin de tout le stuff parce qu'on va se mettre des pumpkins. Alors attends, bouge pas, j'arrive, bouge pas, je vais te passer le stuff si tu veux. Ah non, je suis sorti déjà. Nice. Et tu veux aller les attaquer? Non, non, je vais juste récupérer de la TNT. Enfin, de l'énergie Ok. électrique. Alors, le stuff, je le pose en bas. Putain, il y a plein de squelettes et tout. Si jamais on en a besoin, il faudra qu'on y aille là. Ça. Je sens que ça va être tendu. Et leurs moulins, ils en sont où? J'ai pas vu, j'ai pas vu. Ils ont fait un truc ou pas? Ouais. Ils ont avancé, mais je sais pas, j'ai vu juste leur muraille d'eau là. Tu es parti dehors? Je suis sur la muraille et j'arrive. Bon, moi je vais dehors, je vais essayer de chasser les creepers. Attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Et tu veux qu'on laisse la base au sol comme ça? Daryl. Bon, sur ce les amis, on se laisse. À plus. Apparemment, Daryl a un problème. Voilà, à la prochaine.